finale du juge du départ. Deuxième course, ça y est, c'est parti. 1365 mètres à parcourir avec Pin Drop, High Voltage. On retrouve Renaud Calani, Nick McCaud qui est également bien parti. Donc bientôt aux abords du Tombe à l'Arctique avec Pin Drop qui a l'avantage sur High Voltage qui tient en deuxième position. Nick McCaud. Ensuite Instinctive par voie extérieure de Secret Idea. Le favori Renaud Calani et Soul Connection ferme le cortège. Les chevaux entament la descente. Bientôt plus que 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Pin Drop avec Akash Ucharaz, une longueur d'avance sur Enigma Code, High Voltage, Instinctive Power, Secret Idea, Renaud Calani toujours en avant-dernière position, mais il va bien jusqu'ici sur le Connection Ferme, le cortège à environ 600 mètres de l'arrivée. Pin Drop qui gère bien la situation jusqu'ici devant le nouveau Enigma Code, High Voltage, Instinctive Power, Renaud Calani qui attend patiemment son heure, on trouve Secret Idea, donc au crossing c'est bon pour Renaud Calani à l'arrière, Soul Connection à l'entame dans quelques foulées du dernier virage, Pin Drop qui tente de repartir, Enigma Code sous pression en deuxième position avec Renaud Calani qui va faire l'effort maintenant en pleine ligne droite. Est-ce que Renaud Calani pourra rattraper Pin Drop qui est parti et qui a l'avantage à mi-ligne droite? Pin Drop, Renaud Calani qui tente de revenir à l'extérieur. Pin Drop a toujours l'avantage face au super favori Renaud Calani qui revient fort en dehors, mais Pin Drop va tenir jusqu'au bout. La victoire de Pin